trompée par Chad Michael Murray durant leur mariage, Sophia Bush a été anéantie en apprenant cette trahison. Découvrez ses tristes confidences. Dans les années 2000, Chad Michael Murray a fait craquer les fans du monde entier quand il a demandé Sophia Bush en mariage d'une façon ultra romantique. Pendant cette période, les deux tourtereaux faisaient sensation dans la série Les Frères Scott et leur union semblait idyllique. En apparence seulement, car en coulisses, l'acteur a été infidèle avec Paris Hilton sur le tournage de leur film La Maison de Cire, sorti en 2005. S'il a toujours nié cet écart de conduite, la comédienne n'avait pas hésité à confirmer la relation extra-conjugale de son ex-époux lors d'une entrevue exclusive. Complètement dévastée, l'incontournable Brooke Davis avait alors révélé son ressenti face à cette trahison. Interviewée par le magazine Cosmo Girl en 2006, soit un an après son divorce, Sophia Bush avait avoué « Je ne peux pas dire que je ne ressens pas de rancune. Je me sens blessée, humiliée et j'ai le cœur brisé. » Si l'actrice n'avait pas souhaité en dire plus sur leur rupture à l'époque, elle avait toutefois fait part de sa surprise au sujet des tabloïds qui avaient relayé les détails exacts de cette tromperie, et il y avait toutes ces rumeurs horribles. Le pire, c'est que certaines d'entre elles étaient bien vraies, et qu'elles m'ont vraiment fait mal. Que les fans se rassurent, la jolie brune a depuis tourné la page. La preuve, Sophia Bush a appris une importante leçon après son divorce douloureux avec Chad Michael Murray. Tôi là biên tập viên Hoàng Biên đến từ kênh Tin Tức 24 giờ. Hôm nay chúng tôi hân hạnh đưa đến cho các bạn những tin tức mới nhất được cập nhật luôn liên tục và cho các bạn những tin tức nóng hổi, tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Rất mong quý vị quan tâm và ủng hộ cho kênh của chúng tôi để phát triển ngày một hơn. Và các bạn đừng quên like, share và support cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn vào những bản tin tiếp theo.